Parce que je dois signaler que ces ponts ont été auscultés en 2012. Moi-même, j'étais dans cette mission. Cette mission qui avait préparé la construction de la route Djouloulou-Kafountine. C'était en 2012. Donc les ponts sont auscultés. Mais je suis d'accord avec vous pour dire, sans les qualifier de danger public, je suis d'accord avec vous pour dire qu'ils méritent aujourd'hui que ces ponts soient reconstruits. Nous avons un programme d'ailleurs de reconstruction de cette route de Bignona jusqu'à Djouloulou. Nous avons un programme de reconstruction de cette route. Mais sur ces deux ponts, je dois dire, je peux l'annoncer publiquement, à partir de janvier 2018, s'il plaît à Dieu, vous verrez les entreprises s'installer et démarrer concrètement les travaux des ponts de Baïla et de Djouloulou. Je peux même ajouter le pont de Tobor fera partie de ce programme. Voilà un programme qui va arriver très bientôt. Souhaitons que cela nous trouve dans de bonnes conditions pour qu'on puisse faire les ponts de Djouloulou et de Baïla. Vous savez pourquoi on doit le faire? Parce que le quai de pêche de Kafountine, le potentiel touristique de Kafountine doit être boosté. Et ça, c'est une volonté du chef de l'État qui a beaucoup insisté sur le développement de la pêche, mais qui aujourd'hui insiste beaucoup sur le développement du tourisme. Or, Kafountine, Abéné sont des zones parfaitement favorables à cet essor économique. Mais pour cela, il faut des conditions de transport efficaces et efficientes. C'est ça que nous allons faire pour permettre un trafic assez important. Il y en a aujourd'hui déjà un trafic assez important, des camions qui vont notamment vers la Guinée-Bissau. C'est la raison pour laquelle nous allons retravailler ces ponts. Et je le dis, à partir de janvier 2018, vous verrez l'entreprise s'installer et commencer concrètement à refaire le pont de Djouloulou. Je peux même vous dire qu'on aura des ponts avec un tablier métallique, avec un génie civil à la base, avec un tablier métallique. Voilà.